Bonjour, bonjour, chers visionnaires. J'espère que vous allez bien. Donc, je suis en train de tourner comme ça une vidéo où je vais partager comme ça avec toi. Je suis comme ça dans mes routines quotidiennes. J'aime comme ça sortir, marcher, voyez, profiter comme ça de la nature, respirer l'air pur. Donc, j'ai cette chance-là comme ça, tu vois, d'être entouré comme ça de la verdure. Hein. J'aime la verdure. Dans le thème d'aujourd'hui, je voudrais qu'on parle un peu du pouvoir de la discipline. Je vais partager avec toi sur le pouvoir de la discipline. Et te dire, les gagnants, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin, ou les personnes qui gagnent, ou les champions n'ont pas besoin de motivation. Les champions, c'est-à-dire qu'ils ont besoin de discipline. Les champions utilisent la discipline pour gagner ou pour réussir. Donc je suppose, toi qui me découvres peut-être pour la première fois, je m'appelle Thierry. Sur la chaîne, je parle d'entrepreneurs d'investissement en Afrique. Car je reste persuadé que c'est un entrepreneur investissant qu'on pourra développer notre continent. C'est un investissant massivement sur le plan économique que le continent pourra se développer. Donc si c'est des thématiques comme ça qui te parlent, n'hésite pas à t'abonner en appuyant sur le petit bouton rouge, en validant la cloche. Donc je suis aussi là pour vous partager mon mindset. Hein. Je vous dis que c'est le mindset qui est le plus important. Hein. Sur la chaîne aussi, je vais vous partager qu'on a des idées de business. Hein. Si tu es aussi nouveau ou nouvelle, visite la chaîne. Après cette vidéo, visite la chaîne. Tu as comme ça plusieurs idées de business. J'ai dit, je vais insister beaucoup plus sur le mindset là maintenant, parce que c'est le mindset qui drive. Donc, petite parenthèse aussi, par rapport à votre demande, j'ai créé un compte PayPal. Hein, un compte PayPal sur lequel vous pouvez laisser vos dons pour pouvoir soutenir la chaîne. Vous m'avez demandé de créer un compte. Plusieurs personnes, hein, plusieurs d'entre vous m'avez demandé comment est-ce que vous pouvez faire. Hein, afin de pouvoir, c'est-à-dire que voilà, comme ça aussi, aider la, soutenir la chaîne. Donc, après, c'est-à-dire que vos différentes, c'est-à-dire que la demande, j'ai créé un compte PayPal. Le lien est sur la barre de description. Donc, pensez aussi à aller visiter la barre de description et laisser vos dons afin de pouvoir soutenir la chaîne. Vous voyez que ça fait un an, plus d'un an que je partage comme ça avec vous, que je donne la valeur. Hein, et c'est de la valeur que je donne vraiment gratuite. C'est de mon temps, c'est de ma connaissance. Et vous dites que la connaissance, la richesse. Et cette connaissance, elle est payante. Elle n'est pas gratuite, la connaissance. Donc, c'est la petite parenthèse. Je vous demander, à chaque fois que vous êtes sur les vidéos, pensez aussi, c'est-à-dire que voilà, à regarder, c'est bien. Mettez des likes pour que les algorithmes YouTube aussi puissent, comme ça, partager à plusieurs personnes. Abonnez-vous. Laissez couler la pub. Je vous dis aussi, la façon aussi de pouvoir aider la chaîne à grandir, c'est lorsque la pub passe, pensez à regarder la pub, les gars. Laissez couler la pub. C'est comme ça que vous allez aussi faire pour contribuer à faire grandir la chaîne. Laissez couler la pub. C'est comme ça que YouTube aussi rémunère les créateurs de contenu. C'est comme ça que vous pouvez aussi participer à faire grandir la chaîne. Donc, je ferme la parenthèse. Donc, j'étais en train de dire que les champions ou les gagnants n'ont pas besoin de motivation. Les gagnants et les champions ont besoin de discipline. Ou les gagnants ou les champions utilisent la discipline. Je ne sais pas ce que tu traverses en ce moment, toi. Je ne sais pas quels sont tes challenges. Mais j'ai plutôt envie de te dire, si en ce moment où tu regardes la vidéo, tu as des challenges qui te... tu traverses certaines difficultés, c'est par faute de discipline. Ce n'est pas la motivation. La motivation, c'est un peu la petite poudre magique là qui arrive. Et après, elle s'en va. On est motivé un temps et après, on est démotivé. Mais par contre, la discipline, c'est quelque chose qui s'impose. Oui, d'aucuns prennent la discipline un peu comme une punition, non. On s'est dit, quand tu sais qui tu es, tu sais là où tu vas aller, tu sais la personne que tu veux devenir, ça devient une routine. La discipline, telle que tu t'imposes une discipline. Pour réussir, telle que réussir demande d'être discipliné. Si aujourd'hui, telle que voilà, vous avez traversé des difficultés, c'est parce que voilà, vous n'êtes pas discipliné, les amis. C'est par manque de discipline. Les gagnants et les champions n'ont pas besoin de motivation ou n'utilisent pas la motivation, mais utilisent la discipline. Vous voyez, je suis là dehors en train de marcher, non? Je marche, c'est dans mes habitudes, c'est la discipline, c'est une routine que je me suis imposée.
C'est une routine que je me suis imposée. Je sors comme ça tout le temps, m'aérer l'esprit. Je sors comme ça, respirer de l'air pur. Oui, certains tels que seraient restés vautrés tels que sur le canapé, tels qu'en train de bouffer les cochonneries, en train de zapper les fils, en train... Donc, tu sors, tu marches. Qui pleuve, qui neige, qui vente, tu sors, je cours, je bouge. Et on sait pourquoi. Quand on sort comme ça, on bouge, on s'aère l'esprit, on respire l'air pur. Hein? J'ai cette chance-là, voilà, je suis entouré voilà, de vertu, des arbres. Je respire de l'air pur. Le corps aussi, c'est-à-dire que ça a des apports et que bénéfique sur le niveau du corps. Ça peut aussi être comme ça sur tes domaines de finances. En ce moment, c'est que si tu as du mal, si tu n'arrives pas à t'en sortir, ce n'est pas faute de discipline. C'est le manque de discipline. Sois discipliné, tu verras les choses vont se faire. C'est vrai qu'on est toujours en train de se dire, ah non, c'est trop dur, ah non, je ne peux pas. On est toujours, quand c'est comme ça, en train de rejeter la faute à l'autre. On trouve toujours que voilà, si on n'a pas réussi, c'est parce que c'est la faute du gouvernement, c'est la faute de la société, c'est la faute des parents, c'est la faute de X ou Y. Non, ce n'est de la faute de personne, c'est de ta faute. Les champions ont intégré, je vous ai toujours dit que les champions ont intégré que si elles traversent des difficultés, peu importe les difficultés qu'elles traversent, elles prennent l'entière responsabilité. Peu importe ce qu'ils traversent en ce moment dans leur vie, la responsabilité les encombre. Intégrer ça, et comme ils savent que c'est la responsabilité des encombre, ils appliquent la discipline, tout simplement. La discipline va donc demander maintenant à ce qu'ils se regardent sur la glace et qu'ils aillent faire ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, si ça demande pour toi qui dois peut-être perdre du poids, de sortir tous les matins, aller faire son jogging, il sort tous les matins, à l'heure précise, il va faire son jogging ou elle va faire son jogging. C'est ça le prix à payer, les amis. Si c'est au niveau des finances, il ou elle se regarde devant la glace, le champion ou la championne se regarde devant la glace, fait le travail, fait le ménage sur les dépenses compulsives. Arrête d'aller acheter t'as dit que des objets t'as dit que émotionnels. Vous avez comme ça chez vous, t'as dit que dans vos garde-robes, des multitudes de robes. Ça sert à quoi d'aller acheter d'autres? Vous avez des chemises, des pantalons, des costumes, des chaussures. Ça sert à quoi? Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas se faire plaisir. Mais quand on a déjà comme ça 8 pantalons, pourquoi aller prendre le 9e ou le 10e? Quand on a déjà comme ça 20 chemises, pourquoi aller prendre la 21e ou la 22e chemise? Pourquoi faire? Quand on a déjà comme ça 10 paires de chaussures, pourquoi aller prendre, t'as dit, comme ça la 11e ou la 12e paire de chaussures? Pourquoi t'as dit qu'aller prendre? Je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas se faire plaisir. Il faut se faire plaisir de temps en temps, je vous l'accorde. Mais quand ça devient obsessionnel, parce que c'est ce qui arrive, quand ça devient obsessionnel, il y a un problème. Il faut travailler là-dessus. Et il y en a qui sont là, qui sont à la recherche d'emploi. Mais qui se plaisent dans les excuses. Oh non, je ne suis pas en train de trouver l'emploi de rêve. Ah non, il n'y a pas de travail. Non, vous pouvez vous réinventer. Vous pouvez vous réinventer. Vous pouvez suivre des formations. Aujourd'hui, il y a des multitudes de formations. Le champion sait qu'il doit être flexible. Le champion sait que voilà, si les difficultés qu'il traverse en ce moment sont passagères. Le champion sait que voilà, ce qui lui arrive, c'est de sa faute. Prend l'entière responsabilité et se bouge. Je ne sais pas ce que tu traverses en ce moment, cher visionnaire. Mais peu importe ce que tu traverses en ce moment, laisse-moi te dire, tu n'as pas besoin de motivation. Tu as plutôt besoin de discipline. Tu n'as pas besoin de la motivation. Ce n'est pas la motivation qui va te faire sortir de la difficulté que tu es en train de traverser en ce moment. C'est plutôt de la discipline. Sois discipliné et tu verras que les choses vont changer. Les choses, mais radicalement. Impose-toi de la discipline. Sois discipliné. Je te dis, sois discipliné dans tout ce que tu vas entreprendre. Sois discipliné dans tout ce que tu vas vouloir entreprendre. Tu verras que les choses vont bouger. Pourquoi je te le dis?
Je te le dis parce que c'est ce que j'applique dans ma vie. C'est ce que j'applique dans ma vie de tous les jours. Et je suis une personne lambda comme toi. Je ne suis pas né avec une cuillère en or dans la bouche. Je n'ai pas hérité. Je ne viens pas d'une famille multimilliardaire. Je t'ai dit, je suis clair avec toi. Je suis orphelin de père et de mère depuis l'âge de 13 ans. Si je suis là où je suis aujourd'hui, c'est grâce à la discipline, les gars. C'est grâce à la discipline. Si je suis en train de faire ce que je suis ce que vous voyez là, en train d'entreprendre ce que je suis en train d'entreprendre là, c'est par rapport à de la discipline. Est-ce que c'est facile? Non, ce n'est pas facile. C'est justement ça qui rebute beaucoup de personnes. C'est justement ça qui fait en sorte que beaucoup échouent. Mais les champions savent que, les champions et les gagnants savent que non, ce n'est pas la motivation, c'est la discipline. Tu dois te l'imposer. J'ai fait des vidéos où j'ai dit, c'est toi et toi seul qui pourras faire ce que tu es en train de subir en ce moment. Personne ne viendra le faire à ta place. Personne ne viendra te sortir de la difficulté dans laquelle tu es en train de traverser en ce moment. Personne. Personne ne viendra faire le job à ta place. Ah, on pourra te faire les yakos. Ah, on pourra te faire, ouais, Asia. Hein? Ouais, ça va aller. Hein? Ouais. Mais personne ne viendra te faire le job à ta place. On va te consoler, bien sûr. Mais ça va te mener où? Ça va te mener où? La consolation va t'amener où? Mais les champions ont compris que la consolation ne mène nulle part. Font le job. La motivation ne mène nulle part. La motivation, elle vient et s'en va. Elle vient et s'en va et c'est ce qui vous arrive. Un coup, vous êtes motivé. Après, bim, dès que vous êtes face à la difficulté, bim, vous perdez pied. Mais c'est la discipline, la rage de réussir, l'envie de réussir. Fixez-vous des objectifs. Soyez déterminés, la détermination. Les champions sont déterminés. Les champions, la rage de réussir. Peu importe ce qui arrive, il s'impose la discipline de réussir. Malgré les difficultés, quand on dit ça, il y a des difficultés. Mais ils intègrent que la difficulté fait partie de la réussite. On a dit la difficulté fait partie du cheminement de la réussite. Ceux qui ont un mental de perdant, de loser, face à la difficulté, s'endorment. Ah, je ne suis pas motivé. Ah, je suis à la recherche de la motivation. Ah, je manque de motivation. Non, tu manques de discipline. Non, tu manques de discipline. Sois discipliné. Sois discipliné, tu verras que les choses vont changer d'elles-mêmes. Impose-toi des objectifs. Aie une vision, aie un cap. Ne sois pas un suiveur, une suiveuse. Je ne sais pas à qui cette vidéo va parler. Je ne sais vraiment pas à qui cette vidéo va parler. Vraiment, je ne sais pas à qui cette vidéo va parler. Moi, je vous partage comme ça, que ça, ça vient du fond du cœur. C'est ce que je m'impose. Et c'est ce que j'ai imposé à mes frères et sœurs. C'est ce que j'impose aussi à mes équipes, ceux qui travaillent pour moi. Oui. Est-ce que c'est facile? Non. Ça fait 8 ans que nous sommes en train de payer le prix. 8 ans que nous payons le prix. Mais si nous sommes encore debout jusqu'à maintenant, c'est par rapport à la discipline. Par rapport à la discipline que nous imposons. Les gagnants n'ont pas besoin de motivation. Les gagnants ont besoin de s'imposer la discipline. Les gagnants ont besoin d'être disciplinés. Les perdants, je peux encore aussi inverser, les perdants ou les losers n'ont pas besoin de motivation. Les perdants ou les losers ont besoin de discipline. Je peux encore répéter, les perdants et les losers n'ont pas besoin de motivation. Les perdants et les losers ont besoin de discipline. À toi de voir là maintenant. De quel côté tu te trouves? Quel est le mindset que tu dois avoir? Je te souhaite d'avoir un mindset de gagnant. Je te souhaite d'avoir un mindset de gagnant. Les gagnants n'ont pas besoin de motivation. Les gagnants, s'ils gagnent, c'est parce qu'ils s'imposent une discipline. Si tu veux réussir, c'est la discipline, mon gars. Sois discipliné. Sois discipliné. Aie une vision, on s'est dit. Il faut avoir une vision. Fixe-toi un cap. Aie des objectifs. Aie un pourquoi. Il faut avoir un pourquoi costaud, un pourquoi très grand. Qui fasse la difficulté, tu ne vas pas lâcher.
et sois déterminé. La détermination ici, c'est la discipline. La discipline d'atteindre ses objectifs. Peu importe qui vente, qui neige, tu es là. Et tu te dis, personne ne le fera à ta place. Personne ne le fera à ta place. Donc, qui vente, qui neige, tu atteins tes objectifs. Tu te fais des objectifs petit pas par petit pas. On s'est dit, il ne faut pas attendre la perfection. Ne cherche pas la perfection. Mais cherche le progrès. Les champions ont compris que l'essentiel, c'est la croissance, le progrès. Ils s'imposent cette discipline-là, font petit pas par petit pas, mais l'essentiel, c'est d'avancer. Au finish, atteignent leurs objectifs. Je ne sais pas à qui cette vidéo va parler. Voilà. Je partage comme ça encore. J'espère que ça va toucher quelqu'un ou quelqu'une. Voilà. C'est aussi le challenge que je me suis donné, non? De dire que je viendrai comme ça partager, aider la communauté. J'ai dit aussi, en retour aussi, ne soyez pas seulement des éponges qui absorbent. Quand on prend l'information comme ça, on regarde aussi, on va faire ses recherches et on passe à l'action. Pensez aussi à contribuer. Lorsque vous avez aussi comme ça, aidez aussi le frère et la soeur qui est à côté. Je vous ai aussi dit ici, soutenez la chaîne. Je continue à dire, soutenez la chaîne. J'ai mis un lien qui est là, un lien PayPal, où vous pouvez, sur la barre de description, vous pouvez aussi aller laisser vos dons. Vous voyez que ce que je fais, c'est comme ça, aider aussi à contribuer. Je ne vous vends pas l'information. Je dis maintenant, c'est au choix. Chacun donne ce qu'il peut donner ou qu'elle peut donner, afin de pouvoir permettre à la chaîne de grandir. Voilà, c'est ça. Donc, j'espère que vous avez appris, que tu as appris quelque chose sur cette vidéo. J'espère que tu as aimé la vidéo. Si tu as aimé la vidéo, tu laisses un pouce. Tu me laisses un commentaire, ton avis par rapport à ce que je viens de partager là. Tu partages massivement la vidéo autour de toi. Afin que vous soyez comme ça plusieurs, à intégrer ce mindset de gagnant, ce mindset de champion. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Abonne-toi. Et comme j'ai coutume à vous dire, l'information, c'est la connaissance. La connaissance, c'est la richesse. Une fois que vous avez ces informations, vous appliquez vos stratégies et vous passez massivement à l'action afin d'impacter votre vie et impacter la vie de ceux qui vous entourent. Sur ce, je vous dis merci et aux prochaines vidéos. Ciao.